Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo assez spéciale parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Alors tout d'abord je tiens à vous dire que la semaine qui va arriver et cette semaine-ci jusqu'à lundi prochain, donc pas celui qui arrive mais lundi d'après, moi je serai pas disponible, donc il y aura pas de live, il y aura pas de tirage au sort le lundi, il y aura pas de top deal, il y aura pas de tournoi le vendredi. Tout ce que je propose pour l'instant sur ma chaîne YouTube ne sera pas d'actualité cette semaine ni la semaine prochaine, ok? Donc il faut que vous le sachiez. Alors vous allez me dire, ouais mais la semaine passée t'as rien foutu, blablabla, blablabla. Effectivement j'ai rien foutu parce qu'en fait je me suis fait ban pendant une semaine. Donc de mardi passé à aujourd'hui mardi, j'ai été ban. Et en fait je croyais que j'allais être ban deux semaines, mais au final je suis ban. Qu'une seule semaine, donc quand même c'est bien, il y a une amélioration parce que parfois quand tu te faisais ban sur YouTube, donc tu recevais un strike, c'était 3 mois de bannissement de live, tu vois. Et là c'est que une semaine, je crois que c'était 2 semaines, mais en fait c'est que une semaine, interdit de faire des posts dans la communauté, donc impossible de vous prévenir, impossible de faire de live et impossible de faire de vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai été inactif pendant au moins une semaine, une semaine entière, même un peu plus. Et voilà pourquoi je vous ai posté toutes les puces que j'avais pas pu poster auparavant. Parce que ben voilà, j'ai créé une playlist avec toutes les puces. Donc je pense que je la mettrai en fin de vidéo. Et dans cette playlist, il y a toutes les puces. Donc je me suis dit que j'allais quand même continuer ma petite playlist. Alors, faut que vous sachiez que je vais être inactif. Enfin, je vais pas être inactif. J'ai prévu quelques petites vidéos vite fait. Je vais demander aussi à Johnny de faire des vidéos parce que moi je vais partir à Malte. Donc je pars en vacances. Regardez ça. La valise, elle est déjà faite, les mecs. Et ça va, elle est pas très lourde. Hein. Ouais, comme je pars qu'une seule semaine, ben voilà, j'ai pas pris énormément de choses. Donc voilà, il n'y avait pas besoin que je prenne plus. Et je pars une semaine à Malte, donc je pars demain. Alors, je vais demander sûrement à Johnny de faire des puces de décryptage. Parce que j'en ai déjà préenregistré, mais il y en a certaines que je pourrais pas préenregistrer parce que je ne connais pas l'emplacement. Donc c'est possible que vous voyez des vidéos de Johnny sur ma chaîne YouTube, ce sera totalement normal. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous tenir au courant de tout ça. Donc je me suis dit que j'allais faire quand même une petite vidéo pour vous prévenir parce que là il est déjà 22h24. Je dois faire encore 2-3 vidéos pour demain, donc pour les défis de demain je dois en faire 2 si je me souviens bien. Peut-être 3, peut-être une puce, un emplacement de puce, je ne sais pas. Donc je dois encore faire pas mal de choses. Je dois encore mater une petite série Netflix avant d'aller dormir. Et puis voilà, demain je pars et puis let's go quoi, tu vois. Donc je serai pas là à partir de demain jusqu'à vendredi prochain, voire samedi dimanche quoi, tu vois. Donc je pense vous pouvez attendre à mon retour genre lundi. Lundi je ferai un tirage au sort avec celui qui aura donc un tirage au sort avec tous les commentaires hein, comme je fais d'habitude, comme je vous ai déjà montré que je faisais. Et puis après je reprendrai activement YouTube à fond et ma chaîne va être active de ouf. On sera reparti pour une année complète. Alors peut-être que les 2 premiers mois de vacances, donc juin, juillet, août, ouais, voilà, pendant cette période-là, jusqu'à septembre, je serai peut-être pas autant actif que je me le dis dans ma tête, tu vois, parce que chaque fois, voilà, tu vois, mais on va m'inviter, ma femme elle est en congé et tout, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu avec eux, mes potes et tout ça, comme ils sont disponibles. Mais bon, voilà, non, logiquement, je vais être quand même actif. Et puis au mois de septembre, hop, on tryhard et roi de tous les 100K, les mecs, hein, ok? Donc voilà, en tous les cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, hein. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Si cette vidéo t'a plu, donc c'est une petite information à propos de ma chaîne, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, ah oui, si je me suis pris un ban, un strike, c'est parce que j'avais mis un URL dans une vidéo de glitch pour les skins. J'avais mis un URL qui est un boost, je sais pas quoi, boost.com.eu, je ne sais pas quoi, .cz, je sais pas quoi. Et en fait, ça obligeait les abonnés à écrire un commentaire, à liker, à s'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Donc, il y avait 4 paramètres importants à régler pour pouvoir télécharger le hack en question, quoi, tu vois. Donc, les liens de téléchargement et tout ça. Donc, il fallait absolument faire ces 4 trucs-là pour avoir accès au contenu que j'offrais pour réaliser le glitch. Et là, YouTube, il me fait...
assassin dans la police, tu vois. Non, non, et ils me font, hey, oh, qu'est-ce que tu fais là? Ce lien, il est complètement interdit sur YouTube. Tu peux pas utiliser ce lien-là. Tic-tac. Je fais, what the fuck? Moi, j'ai été sur le site en question. Et dans le site en question, et justement, dans les commentaires, il a marqué qu'il y a des YouTubeurs qui recommandent ce truc-là parce que c'est super efficace. Et effectivement, c'est efficace. Et puis, au final, j'ai même envoyé un appel. Donc, j'ai fait un appel. Et je leur ai dit, ouais, c'est quand moi je dis dans ma vidéo ouais likez, partagez, abonnez-vous, c'est une sorte d'incitation. Je vous incite, je vous rappelle aussi qu'il faut le faire, tu vois, parce que c'est très important pour les youtubeurs. Si on veut évoluer, il faut que vous sachiez, il faut qu'on vous rappelle de liker, parce que si vous likez pas, vous partagez pas, ben voilà, vous y pensez pas forcément. Donc nous on est là vraiment pour vous rappeler et vous inciter. Alors là, c'est, je l'aurais même dit, c'est un site qui incite, tu vois, je les oblige pas, tu vois, s'ils veulent, ils s'abonnent, ils se désabonnent, je m'en bats les couilles, tu vois, ils mettent le commentaire, ils le suppriment, ils mettent le like, ils le voilà, tu vois, c'était juste une petite incitation pour que la personne soit obligée de passer par là, tu vois. Après, elle fait ce qu'elle veut de son like ou de son commentaire ou de son abonnement, tu vois, c'est juste qu'elle devait le faire, tu vois. Et je dis à YouTube, ouais, enlevez-moi mon strike, et là, je suis toujours en appel, hein, ça fait 5 jours, voire 6 jours que je suis en appel. Ils m'ont toujours pas répondu, de toute façon, je sais même pas s'ils vont me répondre un jour. Moi, en tous les cas, ça m'a bien cassé les couilles. Hein. Parce que j'étais à fond dedans et tout, et puis boum, boum, strike, 2 semaines, non, 1 semaine. Moi, j'étais, waouh. Alors, je me suis pris des vacances, j'ai pas suivi du tout l'actualité de Fortnite, j'ai rien suivi, j'ai pas regardé YouTube. Je me suis pris des vacances à l'avance, quoi, tout simplement. Donc voilà, enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oubliez pas le code SOISCOOLMECYTV dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui aiment cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SOISCOOLMEC et ciao. Peace. Je me suis rasé et tout. Tu vois la coupe là, si, la famille. Bon, après, je suis un peu rouge parce que j'ai pris un peu le soleil. Donc ouais, je remarque que c'est un peu rouge. Mais bon, allez, au calme, frérot. Au calme, là, je vais aller en Malte, mon gars. Je vais revenir tout bronzé. Easy. Je vais pas revenir avec des femmes, hein. J'en ai déjà une, donc ça va, tu vois. Bon, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao, la photo. Ciao, la famille. Ciao, les potos. A plus. Peace. Prenez soin de vous. Ciao. J'ai oublié de vous dire un truc, sa mère. J'ai encore oublié de vous dire un truc. Non, franchement, je pars à Malte. Je vais faire du jet ski. Je vais faire du kayak, tu vois. Je vais faire, je vais carrément louer un yacht, mon gars, privé. Je vais aller sur un petit bateau, un voilier comme ça, avec un barbecue, avec de la musique, des meufs, tout. Je vais tout faire. Je vais aller au casino, je vais aller au restaurant 5 étoiles. Je vais vous montrer mon appartement que j'ai loué. C'est une villa, c'est même pas un appart, c'est une villa. Donc, s'il vous plaît, les mecs. Ajoutez-moi sur Snapchat si vous voulez suivre. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je fais jamais de Snapchat. Mais quand je pars en vacances, je fais toujours plein de Snapchat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si jamais ça t'intéresse, tu me rajoutes. Tout est en description. C'est soit cool mec, je crois, tout accroché, ou alors il y a un espace, je sais pas quoi. De toute façon, tout est en description. Tu me rajoutes sur Snapchat, mon pote. Et après, bah, tu pourras suivre l'actualité, enfin, mes petites vacances avec ma femme. Par contre, aucune personne ne bave sur ma femme, elle est à moi, ok. Et juste un truc à vous dire, je rigole. Je vais pas faire de jet ski, je vais pas faire un yacht, je vais pas louer un yacht privé et tout. Rien à voir, les mecs. Rien à voir, je m'appelle pas Squeezie, je m'appelle pas Norman, je m'appelle pas Michou, tu vois, je m'appelle pas ces gens-là. Je vais faire des vacances, tranquillement, avec ma femme. Un budget très très réduit, tu vois, un petit budget. Déjà, on part pour deux à Malte, ça nous coûte 600€ une semaine, avec vol compris, transport compris jusqu'à l'hôtel et tout. C'est un petit hôtel, je crois que c'est demi-pension. Voilà, on prend chacun 500€ chacun, tu vois, au cas où, tu vois, si on aurait quelques petites dépenses à faire. On va regarder quelques activités, on va se faire quelques petits restaurants parce que on va fêter nos 8 ans là-bas, le 23 juin, on sera à Malte. Pour la première fois, on sera dans un autre pays pour fêter notre anniversaire. Donc, je pense qu'on va quand même user pas mal d'argent ce jour-là pour faire une pique à activité la journée et la soirée, un putain de resto. Mais voilà, ça va pas être un truc de ouf, hein. Il y aura pas des feux d'artifice et tout, tu vois. Je m'appelle pas, je fais assez de YouTube monnaie pour le faire, toi, les mecs. Et puis, même si j'aurais tellement de YouTube monnaie, je crois que je vous en redonnerai quasi les trois quarts, les mecs. Non, je déconne, mais franchement, je suis assez généreux. Enfin, bref.
Juste, c'était juste pour vous dire, si vous voulez, vous pouvez toujours m'ajouter sur Snapchat, comme ça vous allez pouvoir suivre mes vacances. Je pense pas que je ferai des lives. Ça, j'ai déjà pensé à faire un live avec mon téléphone et tout, tu vois, genre avec, je suis dans une piscine, ou faire des vlogs. J'avais déjà fait, je suis parti 2 semaines en vacances en Espagne avec ma femme, et on a fait plein d'activités. Franchement, plein d'activités. On a même été sur un voilier avec un barbecue, avec de la musique, il y avait des meufs et tout, mais ça m'intéresse pas les meufs, quoi. C'était vraiment, on a été dans un endroit où il y avait des poissons, après ce genre des poissons comme dans Nemo, tu vois, on donnait de la bouffe et tout, et puis on a pu plonger avec les poissons et tout, c'était vraiment génial. Tout ce que j'ai fait, j'ai tout filmé, j'ai même dit à ma femme, attends avant de bouffer, attends parce qu'il faut que je filme et tout, je voulais faire un vlog de folie, frère. Et je lui ai dit ouais, avant de putain, j'entends quelque chose en fait, avant de manger, déguste pas, dégomme pas ton plat, quoi, tu vois, il faut que je fasse une petite photo et tout pour me le mettre sur le vlog. Et au final, j'ai jamais fait le vlog. Jamais, parce que j'ai des heures et des heures d'enregistrement. J'avais tout préparé, j'enregistrais tout. On a fait plein d'activités et tout. Mais au final, on a été même dans un parc aquatique. On a été dans un parc d'attractions et tout. Franchement, on a usé 1000 euros. 2 semaines, on a 1000 euros chacun, quoi, tu vois. Rien que d'activités. On n'a pas fait les magasins. C'était vraiment beaucoup d'activités et beaucoup de restos, tu vois. Et de boîtes aussi, parce que on avait été à Lloret de Mar, c'est là où il y a le plus de boîtes et tout. Donc franchement, j'avais fait sale, plein de trucs. Mais je l'ai jamais fait le vlog parce que ça me prendrait une éternité pour faire le vlog. Franchement, j'ai tellement pris de prise. Et puis, je pense que le vlog, je suis un peu débutant, tu vois. Je sais pas comment vraiment filmer les bons cadres, sur quoi zoomer, sur quoi ne pas zoomer, quoi dire dans les vidéos et tout ça. Donc j'ai jamais été motivé pour faire ce vlog. Peut-être qu'un jour je ferai des vlogs, mais je sais que quand je fais un vlog, je vais mettre des heures et des heures de travail, parce que j'en ai déjà fait auparavant. Je mettais des heures et des heures de travail pour les transitions et tout, c'était pas ouf. À chaque fois, quand j'étais en vacances, je pensais à faire le vlog, donc je profitais pas spécialement, parce que ça me stressait, je savais pas trop comment faire les choses et tout ça. Donc je pense que cette fois-ci je vais pas le faire et je le ferai plus, parce que tu vois, on a fait 2 semaines. 2 semaines de vlog et au final on n'a jamais rentabilisé le truc parce que j'ai jamais voulu le faire parce que j'étais déjà déprimé, rien que savoir le taf que ça allait me prendre. Pourquoi? Pour faire 1000 vues, même pas 1000 vues, frère, parce que voilà, la communauté elle est pas très intéressée. Je m'appelle pas Squeezie, je fais pas des trucs de ouf, alors ils s'en battent les couilles de ce que je fais. Donc voilà, je me suis dit un jour peut-être si je percerais plus, je prendrais carrément un monteur, un cadreur et tout, comme ça lui il pourra filmer mes vacances et au moins j'aurai plus d'argent aussi pour faire des trucs plus extraordinaires. Et on va dire pour vous en foutre plein les yeux, quoi, tu vois, pour que vous vous faites rêver, tu vois. Parce que moi il y a 2 ans, j'avais fait l'Espagne, j'ai vraiment payé blindé, on a fait des belles activités, j'ai essayé de faire des bons plans de cadre et tout. Mais pour vous faire un peu voyager, vous faire rêver avec moi. Mais j'ai vraiment usé beaucoup d'argent. Et là, cette fois-ci, on va pas user autant d'argent. On va faire des petites activités si c'est pas trop cher. Mais voilà, on n'est pas dans le mode où on va faire un vlog, quoi, tu vois. C'est surtout moi qui le suis pas, tu vois. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour vous expliquer, ajoutez-moi sur Snap, parce que c'est le seul truc que vous pourrez voir, c'est sur Snap. Et peut-être qu'avec tous les snaps que j'ai fait l'année passée, j'avais déjà fait ça l'année passée, j'avais réuni tous les snaps et j'en avais fait une vidéo qui avait duré 25 minutes. Même cette vidéo-là, elle n'a pas dépassé les 1000 vues, parce que les gens ils s'en battaient un peu les couilles de mes vacances. Enfin bref, je suis en train de parler. J'avais tellement de choses à vous dire, les mecs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc voilà, tu vois, j'aime bien parler devant mon micro, là, tout seul, au calme. Et je sais qu'il y aura des retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire des trucs en commentaire, je sais pas, dites-moi tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Enfin bref, je vous dis à très bientôt, cette fois-ci, c'est la fin. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était sur Cool Mec, et ciao. Peace.